Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage de tarot gratuit. Aujourd'hui, mercredi le 6 août 2014. Donc, je demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur. D'enlever les résistances qui pourraient vous empêcher de recevoir, soit au niveau énergétique aujourd'hui ou en tant que lecture d'âme, coaching d'âme, peu importe ce que je vais transmettre. Je sors de canal pour les sources célestes terrestres. Je me connecte avec vos guides, votre âme, ange gardien, toute incarnation du divin qui va être là aujourd'hui pour vous transmettre des messages pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Donc, je vois que beaucoup vos guides sont présents. Pour certains, c'est l'archange Michael que vous invoquez souvent. Je ne sais pas si ça vous arrive fréquemment d'invoquer cet archange-là parce qu'il est très présent aujourd'hui. Bon, il est là à titre de motivateur. Il est là pour vous aider à gérer, contrôler le négatif, faire du nettoyage dans ce sens-là. C'est sûr que, il fait du nettoyage. Selon notre plan divin, hein, parce que des fois, on a des choses à apprendre tout de même. Si ça vous intéresse, peut-être venir me contacter à Chantal A Commercial Coaching Chantou.com pour avoir une lecture d'âme personnalisée. Ça, c'est des lectures d'âme plutôt générales que je donne comme ça. Donc, je fais des choses écrites également. Vous pouvez aller voir mon blog au www.chantalleduc.ca ou mon site internet au www.coachingchanteau.com pour avoir plus d'informations. Donc, dans le moment présent, ce qu'on dit, c'est que vous avez passé à côté de reconnaissance ou d'une reconnaissance quelconque parce que vous étiez mal connecté, hein? Puis vous aviez aussi également, je dirais, pas confiance que vous pouviez réussir. Donc vous avez pas mis en matière ce que vous vouliez vraiment par peur, par crainte, par manque de confiance en vous. Donc, la connexion à la source céleste puis terrestre, c'est très, très important. Mais c'est comme c'est supposé d'être, hein? On s'entend que tout est supposé d'être comme c'est. Là, présentement, vous avancez plus dans votre vie, puis c'est excellent. Il y a un équilibre qui est en train de se faire au niveau carrière, vie familiale, dans tous les sens du mot, l'équilibre. Vous êtes dans le mouvement, vous prenez des choix, des décisions, vous êtes plus ancré, plus centré et c'est excellent. Dans le futur, faites attention parce que vous avez encore, mais de toute façon, ça fait partie de votre chemin de vie, vous avez encore des choses à guérir au niveau émotionnel. Puis ça va vous amener à pouvoir aller chercher de l'information ou donner de l'information, des connaissances, partager votre expérience à autrui. Vous devez par contre rester centré. Vous allez avoir comme un petit peu de difficulté, soit au niveau émotionnel ou mental, à pouvoir rester centré au niveau du cœur. Puis c'est ce qu'il faut faire. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci et à demain.